Séries en fait à la IA, c'est pour ça qu'on a appelé Proto Materia, parce que Materia c'est son nouveau grand projet, avec la table résonante que vous pouvez expérimenter en bas qui fait partie de ce projet. Il y aura plein de nouveaux modules qui vont venir petit à petit et il sera montré dans le Festival international d'art numérique Vidéoform à Clermont-Ferrand en 2024. Mais vous avez d'autres séries qu'Alain vous a déjà un peu expliqué. Il y a des spectres et néons, c'est cette série de photos avec un mouvement lent qui fait qu'on la musique devient ce qu'Alain appelle une musique rétinale, c'est-à-dire que oui. On n'a pas besoin de musique, on l'entend quelque part en la regardant avec des yeux et on peut voir qu'il y a des effets presque de réverb, de distorsion, de delay, de répétition comme on peut trouver dans la musique électronique par exemple, mais juste avec les yeux. Cette série des morphèmes qui sont son secret de toute petite matière, quelques grains sous le microscope et puis il en fait ça, des espèces de blurp. On peut là aussi voir un peu ce qu'on veut parce que je pense que chez Alain il y a le côté abstrait mais il y a le côté presque un peu très ouvert, presque symbolique, mais tout en n'étant jamais fermé en tout cas. Et puis il y a des séries ici qui font aussi plus appel au feedback qui est vraiment une notion centrale dans son travail, la circulation, la rétroaction en fait de l'image, dans l'image mais aussi du son, dans l'image du son, dans le son, qui est vraiment au centre de son travail, qui est au centre des arts vidéo au départ, d'ailleurs, au début des années 70, et que les arts numériques ont aussi intégré, mais Alain en fait quelque chose qui est presque infini. Parce qu'en fait ce que vous voyez ici, c'est un tout petit grain au milieu de son univers, mais chaque fois vous voyez un petit peu de ce chandron magique d'alchimiste ici. On a vu cette série aussi, des mutaphores, voilà, c'est entre des mutants, des métaphores, des mutations, tout ça se collapse. Et là, ce sont, il arrive, il vous expliquait qu'il jouait avec une feuille de carton. Et ça donne quelque chose d'assez étrange, où le flou devient pas si flou que ça, où là aussi on peut y voir, on pourrait presque y voir de l'art cinétique en mouvement, sauf que c'est pas ça. Manière de faire, mais c'est une œuvre aussi qu'on pourrait dire générative, c'est-à-dire qu'il n'y a
n'arrête pas de changer, de s'auto-générer tout le temps et de se répondre aussi d'écran à écran. En bas, bien sûr, la table résonante pour les grands et les petits. Ne cherchez pas toujours l'interaction directe parce que c'est plus subtil que ça. L'idée, c'est tout. C'est pas l'interaction humain-machine, mais plutôt l'espace résonant. Voilà, c'est une notion très importante. Le vent. Et puis, on verra aussi en bas qu'il y a d'autres séries, notamment une série plus ancienne, des érosions. Je trouve que tu as très bien joué avec une espèce de peinture graphique, mais vidéo et tout ça. Sur des murs, c'est pas toujours très facile de jouer avec ces murs, mais ça fait partie du jeu aussi. Contextuel. Alors, les jours d'avant, il y a eu 3 ateliers. Il y a aussi un atelier avec Xavier Gazon sur le circuit bending. Faire du neuf avec du vieux et avec Alain, c'était un peu ça aussi, mais avec des objets qui venaient des objets de musique cassés ou des pierres. Des objets amplifiés. Toujours un côté très organique dans son travail aussi. Finalement, pas du tout le côté froid qu'on pourrait croire du numérique, c'est qu'il avait ça avec Alain. Et donc là, il y a eu, quand on a eu du succès, on était content parce qu'il y a des gens qui sont venus de France, de la même de Bruxelles. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix à faire, mais il y a eu au moins un participant qui a bien voulu jouer le jeu, on leur remercie. Son prénom, je vois. Voilà. Et donc, Alain va proposer avec ses mains l'orchestre éphémère d'objets amplifiés et d'instruments cassés, une petite improvisation avec les instruments qu'ils ont bidouillés ou qu'ils ont réinventés pendant ces ateliers qui sont les répits, donc qui a lancé ce thème déjà, ça fait maintenant un an. Répit, c'est rencontre d'été, mais là c'est pas d'été, intergénérationnel, transdisciplinaire et participatif. Tout ce côté participatif, le septembre met en marche un peu dans toutes les disciplines de thérapie et d'hégémonie. Le support trouve ça très bien aussi, donc ça me fait très content de s'associer pour cette première expo finalement d'art numérique qui a lieu dans cette ville tout. Ok, bien, mais j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Voilà. Et encore le flou, c'est recorporaliser le flou photographique. En tant que défocaliser à l'appareil photo, qu'est-ce qui apparaît là? Des nuages. J'ai une méthode pour retransformer tout ça en des formes. Alors l'original, bah, ça pourrait être des gens, ça pourrait être. Là, vous voyez, une caméra ici, c'est ce genre de figure là. Mais voilà, je n'ai pas en train de partir sur des bords. Moi, j'ai fait un petit jeu de théâtre avec un petit carton blanc, un petit carton obscur. Je bouge. Sur l'écran. Et c'est en trop feedback. Il y a la lumière qui. Il y a un jeu de miroir infini. Et c'est une lutte entre la lumière et l'obscur. Enfin, c'est un petit millimètre de la caméra et tout change. Et ici, c'est un petit peu le même concept, simplement c'est fait dans un ordinateur, mais c'est aussi fait en temps réel. Et c'est surtout des caméras. Il n'y a pas une seule répétition. Là, je crois que j'ai enregistré 16 minutes. Ça ne se répète jamais, sauf quand ça fait la route aussi d'une mesure que j'en ai fait. Mais voilà, donc si j'avais les 3 ordinateurs ici, si j'avais choisi de mettre 3 petits ordinateurs, ça se générerait en temps réel constamment avec des figures complètement différentes.